Pour marquer 85e anniversaire naissance pasteur Martin Luther King, pastoral archidiocèse Port-au-Prince dans tête collée à commission justice à la paix, organisé juste rivé dimanche dans pastoral universitaire, 3 journées de conférence débat sous thème rôle université ou dans travail pour une société sans violence. C'est une façon pour JILAP et pastoral universitaire, by universitaire yo formation pour montrer comment pour arriver résoudre conflit yo sans ça pas besoin arriver dans la guerre ni violence. Consultant JILAP la Père Jean Hansen qui était une parmi conférenciers yo fait connait dans ce sens ça gagne une commission yo mettait sous pied pour aller dans faculté yo pour sensibiliser jeunes universitaires yo sous question ça. Ancien responsable JILAP la Père Jean Hansen dans micro Emmanuel Tolembrina avec Delson Garcin. Chaque année pastoral universitaire organisé une activité c'est autour commémoration Martin Luther King donc aux États-Unis quoi, donc c'est une journée au même ici à tout ouvrir Kembe yon commémoration et en même temps yon entouré avec yon formation sous violence non violence parce que pastoral universitaire certainement li gen dans l'esprit li que nous besoin évoluer dans direction une société côté monde capable de gérer conflits sans pas de violence là-dedans et que université au même avec pastoral université a que les gagnants ont un rôle là-dedans. Donc c'est dans même l'esprit ça tout que ont été créé une commission justice à la paix en dans pastoral université a. Donc ça c'est hier ils ont annoncé ça officiellement mais ça fait déjà plusieurs mois que groupe ça les suivent une formation sous ça. Donc sur question droit monde sur qui Jean justice à la paix aborder question droit monde ça qui vraie nature justice à la paix donc ça c'est donc hier donc pendant formation c'est toute question ça yo noté discuté ensemble avec yo et donc kounya pastoral université a officiellement publié non mounio qui dans commission ça pour commencer. Et en même temps, donc, il a été annoncé qu'il y a un travail comme ça, qu'il voulait faire en dans faculté. Donc, faculté, on ne parlait sur faculté, c'est toute université. Évidemment, ici, il est bien situé. Il y a mis en quelques facultés, université de l'État, mais quand même, il y a plusieurs universités privées qui entourent ici à tout. Et par exemple, le matin, nous faisons un petit atelier là. Pas qu'il y a trop de monde, mais quand même, il y a une dizaine de monde qui est intéressé pour réfléchir sous non-violence et rôle université à la dalle. Donc ça, ce n'est pas conférence, ça c'est un atelier. Donc ça veut dire que c'est Mounio même qui portait propre expérience et qui a élaboré ensemble qui j'en ouais université en façon plurielle t'a capable d'entrer là-dedans. Mais évidemment, parce que c'est un sujet peut-être qui est un nouveau pour plusieurs noyaux, il y a une explication théorique tout qui doit l'aider.